Bonjour, bonjour les amis. Donc aujourd'hui je vais au salon MedPi pour la deuxième journée. Hier j'ai fait quelques images pour les trottinettes, vous avez pu les voir sur Instagram. Et là je vais voir Divacor et Pure. Je suis avec Divacor. Et donc ça fait 18 mois que je leur cours derrière. On m'invite partout, dans tous les salons, à Berlin, un peu partout. Et cette fois-ci, j'ai dit j'y vais parce que c'est l'occasion et j'ai le temps. Donc voilà. Donc on va. Ravie de te rencontrer. Merci. Et j'ai mon micro sur moi, donc je sais pas si on t'entendra. C'est pas grave. Donc, Divacor, ils font tout. Ils fabriquent, enfin ils fabriquent pas, mais ils conçoivent. Et ils conçoivent des écouteurs, notamment. Beaucoup d'écouteurs, c'est. Tout à fait. Et quasiment que ça. Tout à fait. Donc, nous, on est une marque française. On a créé la marque en 2011 à Metz. Voilà, donc on est français. Et effectivement, on s'est spécialisé dès notre création. On s'est spécialisé dès notre création en audio sans fil. On se rend bien compte que la vidéo se développe très très bien, mais c'est vrai que l'audio ne suit pas forcément. Donc, on s'est vraiment spécialisé dès le départ en audio parce qu'on est des fans de musique. Donc, essentiellement pour écouter de la musique, mais finalement aujourd'hui pour aussi regarder de la vidéo, écouter des podcasts, et nos produits sont vraiment dédiés à ce type d'usage en fait. Alors est-ce que c'est l'audio hi-fi, puisque j'ai mis l'audio, l'audio plus podcast? Alors c'est de l'audio de qualité, alors c'est pas de la hi-fi parce que l'audio sans fil, effectivement on écoute des sources audio qui sont souvent de la musique sur des plateformes de streaming par exemple, ou de la musique compressée. Par contre on a de l'audio de qualité effectivement, oui. On peut regarder les produits. Bien sûr. Donc là, en fait, on est venu présenter ici à MedPi notre gamme True Wireless. Donc on a ici Antipods qui sont sortis en 2017. Ici Nomad et Nomad Plus qui sont effectivement sortis eux en 2018. Donc là, on a notre gamme complète d'écouteurs 100% sans fil. Et chacun de ces écouteurs répond à des attentes différentes en termes d'usagers. Là, avec Antipods, on est sur un record d'autonomie. Donc on a 8 heures d'autonomie embarquée dans les buds et 24 heures d'autonomie grâce au boîtier. Nomad, on est sur un Nomad et Nomad Plus, on est sur notre seconde génération d'écouteurs 100% sans fil. Donc là on est passé sur les dernières technologies en audio Bluetooth. Donc là on est sur du Bluetooth 5, on est sur des écouteurs qui sont d'excellents kits main libre en stéréo aussi. On a aussi un mode outdoor qui permet quand on est sur sa trottinette ou son gyropode, qui permettent d'être connecté avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est 90€ d'amende à Paris. Alors, mais la loi n'est pas encore passée, visiblement. J'ai discuté hier encore avec un spécialiste. C'est la mairie. D'accord. Sa loi. Ah. Donc, 90€. Alors. D'accord. Oui. Pas en trottinette, mais à la maison, il n'y a pas de problème. Et au boulot, c'est parfait. C'est ça. Donc, en fait, on a Nomad qui est hyper compact, qui se glisse dans la poche. Et on a la version Nomad Plus, même technologie de Buds. Simplement, avec Nomad Plus, on a un boîtier qui est un petit peu plus compact, un peu plus lourd, parce qu'il intègre 180€ d'autonomie embarquée. Ça signifie qu'en fait, on a une power bank qui est intégrée dans le boîtier, qui permet aussi de recharger votre téléphone en fait. Donc on a une double fonction ici avec Nomad Plus.